Pour l'introduction de la société Sotheby's. Donc, on a eu SAH Tunisie, donc Lila, qui s'est faite le 8 janvier. Le 10 janvier, nous avons eu MPBS, et aujourd'hui, nous avons l'honneur et nous sommes extrêmement heureux de recevoir aujourd'hui la société Sotheby's, deuxième société du groupe Ardenave qui s'introduit sur la bourse. Je souhaiterais tout d'abord vous dire qu'on est extrêmement heureux par les nouvelles qui nous viennent de nos politiques, puisque hier et avant-hier, la Tunisie a pris deux décisions qui ont agi sur le moral des investisseurs et sur la bourse de Tunis. Tout d'abord, l'adoption de la Constitution, ensuite la formation du nouveau gouvernement de Simet Kishma. Ces bonnes nouvelles ont immédiatement réagi ont immédiatement donné quelques points de croissance à l'indice, puisque hier, à la clôture, l'indice de la bourse de Tunis a pris 1,5% dans un volume de transactions qui s'est substantiellement ou nettement amélioré. هذه مؤسسة في 2014. أنا أقول إن شاء الله تكون سنة 2014 يتزامن توا مع بوادر ونقول انفراج سياسي احنا 2014 نقول إن شاء الله تكون سنة الانتظارات الكبرى. الانتظارات الكبرى لأن ننطلقوا في وضعية فيها شبه استقرار سياسي لأنه يعني عندنا دستور وعندنا حكومة جديدة اللي عندها كابيتال كونفيونس نورمالمون ما تمتعش بها الحكومات السابقة إن شاء الله تكون تتوظف بشكل إيجابي. La bourse a bien réagi à l'annonce, la signature de la Constitution et de la nomination d'un nouveau gouvernement. Ceci, et je pense, la bourse a salué cela. Ceci étant, ce qui va se passer par la suite dépendra aussi de la façon dont on exercera ce que prévoit la Constitution et ce que ce gouvernement montrera dans la fixation de ses priorités, de sa feuille de route. Et donc, beaucoup d'espoir, certainement, mais aussi, et je pense que c'est notre métier, nous, du marché financier, d'analyser et de voir venir. Donc, ce que je dis, c'est que oui, nous sommes d'accord, oui, nous résistons, oui, nous tenons à côté de tout ce qui est dans l'intérêt de la Tunisie et de sa pérennité, mais nous demeurons vigilants aussi, parce que derrière, il y a des investisseurs. Et un optimisme béat, un optimisme exagéré, n'est pas dans l'intérêt de nos investisseurs. يظهر لي ما نجموش نكونوا الا فرحانين بهالعمل هذا وبهالخدمه اللي قاعده تصير وبهالثقه الكبيره اللي قاعده متواجده ما بين المارشي فينونسي سي ام اف وما بين البورصه وما بين البنوك وما بين المؤسسات الماليه يظهر لي كل حد اذا كان اليوم كل انسان يقف لبلاده ويقوم بدوره كما يلزم في الحقيقه باش ننهضوا ببلادنا في اقرب وقت وباش نكونوا معناتها سباقين لان فما شيء ينتظر فينا شعبنا وناسنا وكلهم ينتظروا بهالرجال هذيا وبهالوجوه هذيا وبهالاطارات هذيا وبهال لي فالور نتاع الناس سيرتو اللي هي قوه تونس في رجالها وفي اطاراتها وفي معناتها ريزيليت نتاعها باش تنجم توقف الاقتصاد على سفيه باش نجم نقدموا ببلادنا احنا حاضرين متواجدين في السوق في التصدير للانجازات للعمل. C'est la deuxième société que vous introduisez en bourse après Somosserre. Est-ce une réelle croyance dans le marché financier ou bien vous arrivez sur le marché pour manque d'alternatives sur le marché bancaire ou vous manquez de financement sur le marché bancaire? Je pense que pour les entreprises tunisiennes, il n'y a pas d'autre solution que le marché financier. C'est une obligation parce que les investissements sont aujourd'hui coûteuses et on ne peut pas les faire et les avoir auprès des banques.
Je pense que le marché financier est l'alternative pour le développement de chaque entreprise aujourd'hui en Tunisie. Faute d'une demande institutionnelle stable, le marché financier ne pourra pas progresser beaucoup. C'est une occasion d'ici d'appeler les pouvoirs publics à reconsidérer notamment la participation des compagnies d'assurance dans le marché financier. Il y a d'autres idées que nous avons au niveau du conseil de la bourse et au niveau du conseil du marché financier que nous souhaiterions un jour expliquer au nouveau ministre des Finances. Oui, je pense qu'il y a toutes les raisons d'espérer dans le pays et devons nous aussi, l'Ahmed, disons, parce qu'il y a beaucoup de valeurs, toutes se sentent de belles valeurs, certaines sont sous-cotées, nous avons beaucoup de travail à faire. هدف من myinvestia.tn و.com هو نشر ثقافة سوق المال لدى العموم وبالخصوص دونك لدى الفئة اللي عمرها يفوت 18 سنة دونك هي فرصة هامة باش كل تونسي يتعلم كيفاش يتصرف في محفظة الأوراق المالية اللي هي دونك لي زاكسيون كوتي على البورصة تونس. Vous espérez multiplier votre chiffre d'affaires par 3 cette année par rapport à celui réalisé en 2013. Comment comptez-vous réaliser cela ? On va produire pratiquement 3 millions de mètres carrés de grès et céram en plus cette année. Et je pense que le marché est porteur et il y a beaucoup de demandes aussi pour l'exportation. Et je pense qu'on va prendre une bonne part de marché des importations qui sont maintenant importées par des commerçants en Tunisie. Et je pense qu'avec le know-how qu'on a, avec l'expérience, avec le matériel qu'on a importé, avec l'installation qui a été faite par le numéro 1 mondial du secteur, je pense qu'on va réaliser cet objectif sans problème. Première société industrielle dont la fille et la mère sont tous deux cotés en bourse. Et pour nous, cela veut dire qu'il y aura beaucoup de transparence. Concernant Somosphere, elle cote aujourd'hui un peu moins à 3 dinars. Est-ce que le cours de Somosphere en bourse reflète réellement la valeur de l'entreprise ? Bon, je ne pense pas que on voit un peu tous les cours sont en baisse vu la situation du pays, mais je pense que le cours de Somosphere est normalement il doit être coté beaucoup plus que ça.